Bonjour, bonsoir, chers partenaires de Africa pour les Goliath. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, jeudi 4 avril 2024, nous allons effectuer notre expédition de poussée sur Conakry, la Guinée-Conakry. Voilà. Toujours dans la conquête de l'Afrique, à travers la vulgarisation des poulets Goliath, une race purement africaine, on ne cesse de recevoir des commandes venant de partout par nos frères qui sont parfois en Europe et surtout mais aussi en Afrique qui n'hésitent pas à passer leurs commandes parce que maintenant tout le monde veut dire non aux races exotiques. Place maintenant à nos races locales telles que les poulets Goliath. Je peux avoir le dossier concernant l'expédition du jour. Voilà. Donc ça, on a déjà fait la pesée, non? Voilà. Donc, et c'est combien de poussins déjà? 10 cartons, voilà. Oui. D'accord. Donc ça fait 500 poussins. Comme je vois ici, toutes les formalités ont été déjà faites. Et voilà les documents administratifs qui sont devant moi ici. Voilà. Donc, à quelle heure le vol quittera ici? À 11h. Donc, le vol va quitter ici à 11h. Et bon, avec les escales que ça aura, comme ce n'est pas un vol direct, certainement à 15h, ça sera destination. J'invite tous nos frères africains qui souhaitent entreprendre dans le domaine agricole. Le meilleur choix que vous pouvez faire, c'est de choisir les poussins Goliath. Voilà. Et qui de mieux à vous proposer une telle qualité de poussin si ce n'est que votre entreprise Africa pour les Goliath. La seule, sans être prétentieux, jusqu'à preuve du contraire, c'est la seule et l'unique entreprise africaine que nous avons de renommée internationale qui fait l'expédition des poussins Goliath partout en Afrique. Comme vous le voyez, la semaine passée, nous avons effectué notre première expédition sur Brazzaville. Dès lors, les commandes ne cessent de pleuvoir. Donc, l'année passée aussi, on a effectué d'autres expéditions sur Conakry. Voilà. Et on est. Donc, n'ayez pas de doute. Une fois que vous rentrez en contact avec nous, vous passez votre commande, vous aurez vos poussins. Voilà. Donc, quelle que soit la somme que vous envoyez, sachez que votre argent est en sécurité. Et nous travaillons toujours en transparence. Voilà, c'est l'un de nos points forts. Nous faisons les choses avec transparence. Voilà pourquoi à chaque fois que nous faisons des expéditions, on prend la peine de filmer, de faire des vidéos pour vous montrer. Donc, ne soyez pas fatigué de voir nos vidéos. Cela prouve encore, parce que les expéditions ne se ressemblent pas, les clients sont différents. Là, le 18 avril, maintenant, on va faire une expédition sur Dakar. Juste après ça encore, on va faire une expédition sur Kinshasa. On a des nouvelles commandes qui sont arrivées pour les autres pays qu'on n'a pas encore expédié, qui sont déjà en cours. Par exemple, il y a RDC, on n'avait jamais expédié. Maintenant, il y a Djibouti qui est là. Il y a aussi d'autres commandes qui viennent aussi du côté du Tchad. Oui, Gamena. Et ce qui est intéressant, je vois que plusieurs de nos frères africains qui ont des fermes qui avaient d'autres races, comme des pondeuses, les poulets chers, pour ne citer que ceux-là, ils laissent ces races pour venir investir au niveau des poulets Goliath. Parce qu'ils savent que tout compte fait, nous devons être soudés. Il est temps que nous consommons le local. Il est temps que nous consommons nos propres produits. Voilà pourquoi on a mis en place cette société Africa pour les Goliath. Et grâce à nos moyens de livraison très très fiables et très rapides, les poussins vous parviennent depuis votre destination. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ces poussins résistent à n'importe quel type de continent. Ce sont des poussins résilients. Voilà. Et pour finir, je tiens aussi à rappeler toutes ces personnes qui rencontrent des difficultés dans leur projet d'agriculture, dans l'entrepreneuriat. Je vous demande de ne pas abandonner, de ne pas baisser les bras. Comme je le dis souvent, un chemin sans obstacle ne mène nulle part. Voilà. Lorsque vous prenez un chemin, vous n'avez pas d'embûche, sachez qu'il y a un piège. Donc, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Mais plus vous avez des difficultés,
cela prouve que vous êtes sur le bon chemin. Donc, quand vous entreprenez, c'est comme ça, l'entrepreneuriat. Quand vous entreprenez, quand vous tombez, il faut savoir se relever. Donc, le plus difficile là, ce n'est pas de tomber, mais d'avoir le courage et l'optimisme de se relever et d'aller de l'avant. Rien n'est facile. Aujourd'hui, même pour manger, ce n'est pas facile. Je vous assure tout. Donc, pour tout ce que j'encourage tous nos frères qui entreprennent de s'armer de courage. Parce que nous-mêmes, que vous voyez là, c'est pas facile pour nous. Voilà. Il y a ce que vous voyez à travers nos vidéos, mais comme on dit, les problèmes ne s'affichent pas sur les appareils photo ni sur les vidéos. Voilà. Et vous savez que parfois, on filme, on vous montre des vidéos où nous avons des difficultés, des pertes énormes. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons abandonner. Monsieur Seyd, est-ce que c'est par crainte de la mort qu'on va arrêter d'enfanter? Non. C'est pas parce qu'on a peur de mourir qu'on va arrêter de faire des enfants. On va continuer. On va continuer tout en ayant l'espoir qu'un jour que ça va aller. Mais je vous assure, toutes ces grandes puissances que vous voyez aujourd'hui, ils ne sont pas créés en un jour, ils ne sont pas arrivés en un jour. C'est avec le travail et l'optimisme. Surtout, ne vous découragez pas. Ce qui fait la force d'un entrepreneur, c'est son optimisme. Parce que comme vous le savez, il y a des jours sans, il y a des jours avec, il y a des jours où tout va bien, il y a des jours où ça ne va pas. Donc, lorsque vous entreprenez, surtout ceux qui font le levage des poussins, c'est très difficile. Rien ne garantit pas que vous allez réussir. Voilà, mais on espère toujours réussir. Mais quand vous commencez, quand vous trébuchez, quand vous tombez, vous avez des pertes, ne laissez pas que cela vous démoralise. Ça fait partie de la vie. Prévenez que même aux champs, quand on sème le maïs, c'est pas toutes les graines qui poussent. Il y en a qui j'aime bien, puis il y en a qui ne j'aime pas. C'est comme ça la vie. Même parmi nous, les êtres vivants, il y a des enfants qui meurent dans le ventre de leur maman, sans voir le jour. Donc, toute situation qui vient, prenons les choses positivement. Donc, ne nous laissons pas accabler. Pourquoi j'ai mis l'accent sur ce point? C'est parce que je vois il y a certains de nos frères qui parfois ils envoient l'argent à leur famille ou qu'on les achète des terrains, des fermes pour qu'ils puissent entreprendre. Ils disent qu'ils ont bouffé leur argent. Bon, j'entends des histoires. D'autres disent qu'ils ont commencé des projets, des poussins. Ils ont perdu beaucoup de poussins. C'est pas facile, surtout en ces temps de chaleur. J'ai reçu des témoignages où des gens ont perdu, ils ont eu des non-pètes. Vraiment, ça me cœur. C'est pas facile, mais je vous demande de ne pas abandonner. Même nous-mêmes que vous voyez là, on n'abandonne pas. Avec les difficultés, et comme on le dit souvent, avec la difficulté, il y a toujours la facilité. Voilà. Tout ce qui vous arrive comme malheur, ne prenez pas ça du mauvais côté. Voyez ça sous un autre angle. Donc, il n'a pas pensé à quoi on pourra s'en sortir. Et la vie aussi, c'est ce que la vie a demandé, hein, d'être patient et d'être optimiste. Donc, ne soyez pas négatif. Vous voyez, vous devez être toujours positif. Plus vous êtes positif, vous allez attirer des choses positives dans vos vies. Entourez-vous des idées positives. Entourez-vous des personnes positives. C'est très important, surtout pour ceux qui veulent entreprendre. Voilà. Mais toi, et pour finir, c'est l'argent qu'on est prêt à perdre, c'est cet argent qu'on investit. Hein. Je vous rappelle, c'est l'argent qu'on est prêt à perdre, c'est cet argent qu'on investit. Voilà. Parce que rien ne garantit à 100% que si vous investissez l'argent là et que vous allez avoir un retour sur investissement satisfaisant. Qu'est-ce qui prouve que le jeu coco. Mais, prévenant que, il y en a qui commencent un projet, ils ne finissent pas, et Dieu les fait appel. Il y en a qui construisent des bâtiments. Bon, on ne souhaite pas se toucher du bois. Peut-être qu'il y a une catastrophe naturelle qui est venue et le bâtiment s'effondre. Mais, comment il va faire? Est-ce que s'il savait qu'il allait avoir une telle perte, est-ce que la personne allait investir? Non, je ne crois pas. Dans la vie, tout est. Beaucoup de choses sont imprévisibles. Donc, étant des êtres humains, étant des êtres faibles, nous devons nous armer de courage et ne pas abandonner dans tout ce que nous faisons. Donc, c'était le message que je voulais passer à travers cette expédition. Je tiens aussi à remercier notre cher partenaire, M. Mohamed. Voilà. M. Mohamed qui a passé sa commande depuis la France. Mais il a demandé que ce soit son frère qui est en Conakry qui va récupérer les poussins. Voilà. Voyez-vous, il y en a qui sont en Europe là-bas qui travaillent. Ils envoient l'argent pour qu'on puisse préparer leurs commandes. Mais ils ont des frères ou des cousins ou des représentants qui vont récupérer leur poussin. Donc, je remercie Mohamed à travers cette vidéo. Merci pour cette confiance. Dans les premiers jours, mon frère, tu n'as pas eu des doutes concernant la société africaine pour les goulettes. Nos échanges ont été
cordial, voilà, et dans le respect mutuel. Et franchement, je vois que tu es une personne de très bonne cœur. Je te souhaite que la réussite dans ce projet et que tu aies un retour sur investissement très très satisfaisant. Voilà. Et sache que Africa Poulet Goliath est à ta disposition pour toutes les préoccupations que tu peux y avoir, tu peux compter sur nous. Donc, c'était le message que je voulais faire passer. Venez sur le groupe, surtout profitez des ventes.